graduelle à Touamas. Ouverture du chantier de la RN5. Le président Adraduel n'a procédé le week-end dernier à Touamas à l'inauguration des routes en pavé dans les fourtins d'un Kéril et d'un Boulmadink qui ont longtemps fait souffrir les usagers. Il a également annoncé l'ouverture officielle du chantier de réhabilitation de la RN5 entre Touamas et Foulepointe qui sera entièrement en béton. Par ailleurs, la ville de Touamas a été dotée d'un bureau territorial de gestion des risques et catastrophes. Cette nouvelle structure servira de point d'ancrage au BNGRC à partir duquel les actions de secours et d'aide aux populations seront coordonnées afin de mieux anticiper et appréhender les catastrophes naturelles auxquelles Madagascar doit faire face chaque année. Outre le centre opérationnel, ce nouveau bureau territorial du BNGRC est équipé d'un hangar de stockage des équipements immatériels de sauvetage et de survie. Enfin, toujours à Touamas, le chef d'État a assisté à la messe dominicale d'inauguration du grand séminaire interdiocésain Saint-François de Sales à Nalamalch aux côtés du cardinal Désiré de Sarraz, du nonce apostolique sortant Mgr Paolo Rocco Gualtieri et de Mgr Fabien Rar Lambounien.